Bonjour, nous voilà donc une nouvelle fois réunis sur l'antenne de notre émission Yoyertas Kovadis. Selon certains, l'Arménie wilsonienne fait référence à la configuration des frontières de la première République d'Arménie du 28 mai 1918 dans le traité d'Auxerre du 10 août 1920. Monsieur Armena Kaplamian, nous aimerions avoir votre avis sur cette question en tant que président du Conseil national d'Arménie occidentale. Bonjour. Il faut toujours faire la différence entre les déclarations des uns et des autres et la réalité du terrain. En règle générale, les dits, les non-dits et les mal-dits n'ont pas lieu d'être quand il y a des écrits, et d'autant plus quand ils sont de nature juridique. Le fait aujourd'hui que la République d'Arménie de 1991, successeur de la République d'Arménie soviétique, elle-même issue de la République arménienne du Caucase, pourrait prétendre à une légitimité quelconque sur la sentence arbitrale du président Wilson, relève d'un manque de considération des droits d'une population génocidée à son indépendance et à sa souveraineté sur le plan juridique et sur le plan moral. C'est très grave. Ici, une nouvelle fois, ces déclarations font mine d'oublier le traité de Batoum, qui réduit la République arménienne du Caucase aux régions d'Echmiadzin et de Yerevan, au point où le général Entranik et Nejdeh ont été dans l'obligation de constituer une République autonome d'Arménie des montagnes, l'Ernaïn Ayastan, pour protéger le Zanguezour. C'est par ailleurs ce qui a permis aujourd'hui de libérer l'Artsakh. Mais rappelons certains faits historiques. Le 19 avril 1916, les Russes occupent une partie de l'Arménie occidentale, dite turque, puis le 26 avril 1917, ils décident de mettre en place un gouvernement provisoire pour l'Arménie occidentale. Du 2 au 15 mai 1917 a eu lieu le premier congrès des Arméniens d'Arménie occidentale, dite turque, avec le rapatriement de 150 000 réfugiés à l'automne. Mais à la suite de la révolution d'octobre 1917, les troupes russes décident de déserter le territoire. Pourtant, le 29 décembre 1917, le Sovnarkom reconnaît l'indépendance de l'Arménie occidentale, dite turque, par un décret qui fut publié le 31 décembre 1917 dans le numéro 227 de la Pravda. Véritable premier État arménien à avoir obtenu une reconnaissance par décret à l'indépendance. Aussitôt, le 2 janvier 1918, le Conseil national arménien déclare l'indépendance pour l'Arménie turque auprès de la France. Quelque temps après, à Tiflis, le 28 mai 1918, le parti Tashnak-Soutioun déclare l'indépendance de la République arménienne du Caucase. Seulement une semaine après s'être déclaré indépendant, et dans une perspective de recherche d'une reconnaissance, les membres de ce parti signèrent un traité avec le gouvernement turc à Batoum le 4 juin 1918. La Turquie était encore en guerre contre les principales puissances de l'entente au moment de la signature du traité de Batoum. Ce nouveau gouvernement, ayant obtenu une reconnaissance par la Turquie, au nom de la République arménienne du Caucase, n'avait pas de place objective pour participer à la conclusion d'un traité de paix entre les Alliés, l'Arménie et la Turquie. On peut supposer que Boros Nouval-Pacha, le président de la délégation nationale arménienne, n'était pas informé à l'époque du traité de Batoum entre cet organe politique au nom de la République arménienne du Caucase et la Turquie. La participation des délégués de la République arménienne du Caucase à la délégation nationale arménienne n'est qu'un acte politique et tactique sans aucune conséquence juridique pour l'Arménie occidentale. Le 30 octobre 1918, les conditions de l'armistice de Mudros concernant l'Arménie occidentale apparaissent dans l'article 24 qui précise, dans le cas où des désordres se produiraient dans les six vilayets arméniens, les Alliés se réservent le droit d'occuper toute portion des dix vilayets. Personne ne peut nier qu'il s'agit là de l'Arménie occidentale.
Très bien, monsieur Aframian. Nous comprenons les malversations que vous avez développées. Mais pourtant, en février 1919, une délégation unitaire s'est tout de même constituée pour enclencher des négociations. Oui, mais on voit bien ici toute l'habileté diplomatique du président Boros Noubal Pacha, qui a travaillé pour que les délégations arméniennes se présentent en un seul bloc. Malheureusement, cette unification, relativement aux objectifs d'un mémorandum, n'a pas obtenu les résultats escomptés. Après la bolchevisation de la République arménienne du Caucase, une nouvelle fois, le président Boros Noubal Pacha est revenu sur la table des négociations, et ce jusqu'à 1924. En réponse aux demandes de la délégation nationale arménienne, le Conseil suprême de la Conférence de la paix décide le 19 janvier 1920 que le gouvernement de l'État arménien soit reconnu comme gouvernement de fait et que cette reconnaissance ne préjugera pas la question des frontières éventuelles de cet État. J'ai pu lire cette phrase. La Turquie domine de facto l'Arménie wilsonienne, laquelle est affectée à l'Arménie de jure. Notre problème est d'arriver à faire coïncider de facto avec le de jure. De quelle Arménie s'agit-il? D'Arménie occidentale? De la République d'Arménie? De Artsakh? Que pensez-vous, monsieur Aframian? Ce que j'en sais correspond à des faits actés. La République d'Arménie de 1991 ne se déclare pas successeur de la République arménienne du Caucase de 1918. Pour cela, elle s'est déclarée indépendante le 23 août 1990. Dans cette déclaration, elle évoque la soi-disant Première République sous la forme des traditions démocratiques de cette République, sans plus. Elle aurait pu faire la même chose en évoquant les traditions démocratiques athéniennes. Nous le savons bien maintenant, l'article 89 du traité de Sèvres correspond à un accord conventionnel international sur la procédure d'arbitrage de la délimitation de la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Prétendre qu'il est possible de ne pas considérer l'article 89 du traité de Sèvres comme une convention écrite du litige nécessitant l'arbitrage du président Wilson relève donc de la falsification. Ensuite, le 2 décembre 1920, soit un peu plus d'une semaine après la sentence arbitrale du président Wilson, la même République arménienne du Caucase, sans aucun accord avec l'Arménie occidentale, traite une nouvelle fois avec la Turquie, à Alexandropol, où dans son article 10, elle entend renoncer au traité de Sèvres, rompant ainsi définitivement la devise déclarée du 12 février 1919, qui correspond à une Arménie intégrale, libre et indépendante dans ses limites historiques. Le fait d'annoncer que la reconnaissance du génocide des Arméniens et les réparations territoriales sont deux combats différents est une gifle méprisante en direction des rescapés du génocide, car cela amène à ne pas considérer le fait que le traité de paix entre les Alliés et la Turquie intègre déjà des sanctions stipulées, à savoir les réparations territoriales. Mais nous savons bien que cela ne peut pas concerner la République arménienne du Caucase, puisqu'elle a déjà traité avec la Turquie en juin 1918. J'ajoute immédiatement que par l'article 88 du traité de Sèvres, les puissances signataires ont consacré l'indépendance de l'Arménie. La Turquie déclare reconnaître, comme l'ont déjà fait les puissances alliées, l'Arménie comme un État libre et indépendant. La formule employée est identique à celle employée par l'article 98 du même traité de Sèvres pour le Hedjaz et celle des articles 81 et 87 du traité de Versailles concernant la Tchécoslovaquie et la Pologne. Elle indique clairement que la reconnaissance de l'État arménien par les Alliés a été antérieure à la signature du traité de Sèvres. Cette préexistence de la reconnaissance de l'Arménie à la signature de l'acte du 10 août 1920 résulte également du préambule du projet de traité remis aux délégués turcs dans lequel l'Arménie se trouve mentionnée parmi les puissances alliées. L'Arménie peut en outre invoquer le traité séparé conclu à la même date entre elle
la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon, et qui débute comme suit. Considérant que les principales puissances alliées ont reconnu l'Arménie comme un État souverain et indépendant. Par l'article 89, nous avons constaté que le traité de Sèvres précise les provinces constituantes des frontières occidentales du nouvel État arménien. Mais à aucun moment et dans aucun document, il est précisé que Yerevan deviendrait la capitale du nouvel État arménien. Rappelons que la déclaration d'indépendance de la République arménienne du Caucase du 28 mai 1918 s'est faite à Tiflis. Monsieur Apremian, nous arrivons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Que souhaitez-vous ajouter en conclusion? En guise de conclusion, quand bien même la souveraineté de l'Arménie occidentale n'a pu faire l'objet d'une application et face à l'occupation territoriale de l'Arménie occidentale par les forces kémalistes, le Conseil suprême réuni à Londres en mars 1921 fut amené à adresser de nouvelles propositions aux Turcs sans l'accord du nouvel État arménien. Et il décida la création dans les provinces orientales de la Turquie d'un foyer national arménien entièrement indépendant de la domination ottomane. Cette nouvelle reconnaissance territoriale par le Conseil suprême ne peut aucunement remplacer les reconnaissances antérieures et vient même au contraire renforcer la position juridique de l'Arménie occidentale. Au regard de tout ce qui précède, la question successorale de la sentence arbitrale de l'Arménie occidentale n'a donc pas lieu de se poser, puisque depuis le 17 décembre 2004, appuyé par le décret présidentiel du 23 février 2014, selon les articles suivants, l'Arménie occidentale se déclare comme un État continuateur de l'Arménie de 1920. Alors, article 1, sur les bases historiques confirmant la reconnaissance de l'Arménie de facto le 19 janvier 1920 et de jurer le 11 mai 1920 par les puissances alliées, l'État d'Arménie occidentale est la continuité de l'État d'Arménie reconnu en 1920. Article 2, compte tenu de ce fait aujourd'hui établi, l'État d'Arménie occidentale est lié par tous les engagements, traités, conventions et sentences adoptés par l'État d'Arménie reconnu en 1920. À cela, je peux ajouter que la reconnaissance du 19 janvier 1920 confirme la date d'indépendance de l'Arménie occidentale. Etiam hosti fides servanta e. C'est-à-dire, monsieur Apremian. Quand on a promis, il faut respecter la foi engagée, même envers un ennemi. Aussi, l'Arménie occidentale est sujet de droit international. Merci. Merci, monsieur Apremian. Sans être spécialiste de cette problématique, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires. Nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine émission politique consacrée à l'Arménie occidentale.